suite au Condor de Chaudière-Appalaches. Justement, demi-finale du tournoi du Varéor de l'Université de Sherbrooke. Donc, réception difficile de Kayla Moreau, c'est 2-0. On aurait François Barrette de faire la description de ce match. Au service, donc, pour le Condor, c'est Marie-Kim Jacques, numéro 15. Alors, il en filet. 1-2. Rosalys Batalon au service pour les Libellules. Réception difficile. On donne la valeur facile à Joliette. Passe en 4. C'est Océane qui s'ajuste. Sa frappe est bloquée par son main. Il vient marquer. C'est 2-2. On vient avec Rosalys Batalon au service. Réception difficile, on passe en 2, la 8, ça joue, ça va récupérer par Camille. Kayla, en 2, cette fois-ci c'est Juliette. Sa frappe est envoyée dans le filet. 3-2, donc le Condor au service avec Brittany Maranda. Oh, le ballon rate la ligne de quelques centimètres. C'est 3-3. Le service maintenant Kayla Lagacé-Moreau pour Joliette. Réception au passant. Il va en ligne à Rivière. Ballon facile remis à Audibellule. On y va en 4. Derrière le bloc, c'est 4-3. On vient de Kayla Lagacé-Moreau au service. Donc, réception au passeur, on y va en 4, la 1. Juliette, sa frappe récupérée par Camille en défensive. On vient en 4, Océane, placement qui est récupéré facilement. On vient en 4, Juliette, sa frappe est bloquée par Juliette. Donc, Juliette Gros, le dernier mot sur cet échange, c'est 5-3. On vient Kayla sur une belle séquence pour débuter ce premier set. La libéro finalement envoie une manchette à l'extérieur, c'est 6-3. Réception difficile, on y va en 4. Juliette, sa frappe au plongeon de Camille pour sauver le point, on vient en 4 Océane. Par-dessus le bloc, la défensive est envoyée hors ligne. Réception difficile encore une fois. Il va en 4. Juliette, un titre qui est bloqué par Gabriel, mais l'échange se poursuit. Bloqué encore une fois, Juliette Brault et Océane gobent un fruit. L'échange se poursuit. Attaque de Juliette Veilleux. Et on vient avec Juliette Brault qui contre-attaque, marque le point en 5. Réception difficile. On y va une manchette en 4. Juliette Veilleux, sa frappe est bloquée partiellement. La défensive encore est envoyée du côté du Condor qui contre-attaque immédiatement. Belle défensive de Camille Hull. Le Condor à l'attaque. Juliette Veilleux à la position 4. La frappe, la défensive est envoyée en ligne. Donc au service, c'est Amy Bolduc pour le Condor. Réception de Rosalys sur un jeu spectaculaire. L'échange se poursuit. On passe en 2. La 9, sa frappe est bloquée partiellement. Et on va donner un ballon facile au Condor. Jeu au centre, jeu rapide, la 12 défensive de Camille Hull. On vient avec Rosalys. Belle défensive au passant. On vient en 4. Juliette, son type est récupéré par Kayla. On vient au centre. Cette fois-ci. Non, on hésite. On donne un ballon facile au Condor. Jeu en 2. La 9 par-dessus bloc défensive de Kayla. Bel échange entre les deux équipes. On vient en ligne arrière. Rosalys, sa frappe est bloquée. Mais le ballon reste du côté du Condor. Belle frappe du 3 mètres de Rosalys Batalon. C'est 9-4.
ce premier set. 5 points d'avance. Gabriel Ricard au service pour Joliette. Réception au passeur. On va en 2. La 9, sa frappe était bloquée par Rousselin. On vient en 4. Juliette, sa frappe est bloquée, mais cette fois-ci, le point marque. C'est 5 à 9. Service maintenant pour le Condor, c'est Chloé Doyon, la numéro 9. Bien jugé en défensive, le ballon flotte hors ligne. C'est 10-5. Maintenant, Océane Bébarrette viendra servir pour les Libellules. Donc défensive à Kayla, la frappe du 3 mètres doit s'en être envoyée dans le filet. Et c'est maintenant Juliette Veilleux au service pour le Condor. Encore une fois, un service du Condor qui flotte hors ligne, c'est 11 à 6. On bagarre avec ce ballon. On vient avec Juliette Beau au service pour les Libellules. Réception de Juliette au passeur. Il va en 4. La 8, sa frappe touche l'antenne. Donc c'est Brittany Maranda en position 4 pour le Condor. Il vient de faire cette frappe. Avec Juliette Gros, une belle séquence au service pour Juliette. Réception du libéro, on va en 4. La défensive ne lèvera pas, c'est 7 à 13. Belle frappe de Brittany. Et le Condor revient au service avec Maria Ferramos. Difficile, on ramène en 4 à Manchette. Kayla, ça frappe la défense. Donc, il y a eu 4 contacts sur le dernier jeu. On vient avec Marie-Effé au service. C'est 8 à 12. 8 à 13 plutôt. Encore une fois, un service du Condor qui va hors ligne. Ça leur fait mal en début de premier set. 6 points d'écart maintenant. Marie-Florence Marchand au service pour Joliette. Réception en touche. On y va en ligne arrière. Le libéro, ça frappe récupérée par Camille. Kayla attaque le deuxième contact. Belle frappe qui tombe en 1. C'est 15 à 8. Marie-Florence. Réception du libéro au passeur. Il va au centre. La frappe gratte la ligne de quelques centimètres. C'est 16 à 8. Réception en touche. On y va en 4. Encore une fois, une frappe qui rate la ligne. Cette fois-ci, c'est Brittany Maranda. C'est 17 à 8. Si on passe, il va en 4. Brittany s'ajuste, sa frappe récupère en touche par Rosalys. Manchette en 4. Rosalys, sa frappe défensive en touche au passeur. On revient au centre. Donc c'est Elisa, sa frappe est envoyée dans le filet. On vient avec Marie-Claude Marchand au service.
position de la libéro difficile. On donne le ballon à Joliette. On vient au centre. C'est Gabriel. Ça frappe. Et bloqué partiellement. L'échange de position. On donne le ballon à Joliette encore une fois. On vient que Juliette Beau, cette fois-ci, la frappe est bloquée partiellement. Belle réaction en ligne arrière de jeu de Juliette. Ballon est envoyé sous le filet. On ramène en deux. Kayla, ça frappe. Est récupérée en défensive par Juliette Veilleux. On vient au centre. C'est la numéro 6. C'est ça. Ça frappe récupérée facilement. On vient en 4. Rosalys. Frappe est bloquée par Samuel Filet. Bien, l'échange entre les deux équipes. On vient en frappe de Brittany. Bon, frustration filet remportée par le Condor, mais on joue du ping-pong au filet présentement. On vient en 4. Brittany, ça frappe. Oh, belle frappe, tout en puissance de Brittany Maranda. Vient clore le débat de cet échange. Frappe donc qui tombe près de la ligne en 1. La défensive va hors ligne. Maintenant, tour de Marie-Kim Jacques, la passeuse du Condor, à venir servir. Plongeon de Camille. On va donner un ballon facile au Condor. Elle devra en profiter. On envoie en 4. Brittany, sa frappe récupérée par un plongeon de Rosalys. On donne un ballon facile encore une fois au Condor. On s'en va en 2 cette fois-ci. C'est la nouvelle venue. Josiane vient de faire cette frappe. Rosalys, type qui est récupéré. Oh, on a une joueuse qui a chuté sur ce jeu. Plongeon de Camille de sauver le point. On vient avec. Avec Rosalys, sa frappe est envoyée dans le filet. C'est 10 à 18. Donc, on vient avec Marie-Kim au service pour le Condor. Beau service, passe très près du filet. Défensive difficile, on donne un ballon facile au Condor qui poursuit avec la pression. Ça va en 4. Frappe bloquée par son filet par Gabriel Ricard. On vient au centre, Gabriel. On vient au service avec Marie-Kim. Réception de Gabriel. À Juliette, on s'en va à Rosalys, son type qui est touché au bloc par Brittany, mais le deuxième contact ne viendra pas. Et c'est Rosalys Batalon qui viendra servir pour les Libellules. Son équipe mène par 8. Réception difficile, beau service, court de Rosalys Batalon qui marque, c'est 20 à 11. Un autre beau service, la réception va hors ligne. C'est 21-11, 10 points d'écart, tard dans le premier set. Réception au passeur, Marie-Kim passe en deux. Brittany, sa frappe récupérée d'un bras par Rosalys, on vient en arrière. Marianne, sa frappe défensive du zéro passeur, on vient en 4, la 3. Sa frappe est envoyée hors ligne. Réception difficile de la libéro qui est envoyée hors ligne, c'est 23-11. Belle séquence au service de Rosalys. Réception au passeur, il va en 2. Brittany, sa frappe récupérée en défensive. On revient en 2. Cette fois-ci, Julien Brault, sa frappe. Belle frappe. La défensive au centre. On revient en 4. Donc, Josiane Roy rate le ballon. C'est 24-11. Point de 7, Juliette. Réception au passeur. Il va en 2. Brittany, sa frappe. Touche le bloc partiellement. La défensive est envoyée hors ligne, c'est 12 à 24. Et au service maintenant, c'est Brittany Maranda pour le Condor. Encore une fois, un service du Condor qui flotte hors ligne, c'est 25-12, donc victoire de Joliette lors du premier set.